morte n'existe, est un symbole nomad d'un crâne. La mort n'existe pas et la tête de mort n'est qu'un symbole. C'est quelque chose comme le vent, comme le mal de dents. Ça ne se voit pas, mais ça sent. La mort ne nous effraie pas. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Quand je mourrai, ce sera content et heureux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup vécu. Est-ce que c'est naturel? La mort, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi est-ce que tant de gens en ont peur? Moi, à vrai dire, je la crains un peu. Ça, oui. Je peux mourir à tout moment. Allez, viens, mort. Si elle se montre, ben, on verra. Viene la muerte echando rasero, se lleva el joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Elle, avec son éternel rictus, c'est la Katrina, l'inséparable compagne des Mexicains. C'est bientôt sa fête. Fêter la mort. Cette idée peut sembler étrange. Dans bien des cultures, la mort est silencieuse, sombre, toute émotion est refoulée. Les Mexicains, eux, craignent certainement autant la mort que d'autres, mais ils ne cherchent pas à se voiler la face. C'est la fin octobre. La cérémonie rituelle du drapeau a lieu, comme tous les jours, à 6h du soir, au Zócalo, cœur de Mexico, où siègent les pouvoirs politiques et religieux. L'emblème national, avec un aigle perché sur un cactus et tenant dans son bec un serpent, rappelle le mythe fondateur de Mexico Tenochtitlan, siège de l'Empire aztèque. Sur cette place, au cri de « Que viva Mexico », se commémore tous les 15 septembre le début de la guerre d'indépendance. Ce sont autant de rites et de symboles qui font partie de l'âme mexicaine. Dans l'eau des dernières pluies, les mélodies, les odeurs, les regards, la couleur des visages et des pierres confèrent à la vie quotidienne du Zócalo une atmosphère insolite, comme si l'on vivait simultanément à différentes époques de l'histoire du Mexique. Cet immense espace urbain où s'inscrit le temps est aussi un lieu de passage et de réunion. Ou de rencontres pour les amoureux. Sous la place, la construction du métro à la fin des années 60 a révélé de nouveaux vestiges de l'ancienne cité aztèque. Ainsi, les tunnels creusés sont autant de tunnels creusés dans le temps. 20 ans plus tard, des travaux publics à proximité de la cathédrale ont permis de retrouver les soubassements du Templo Mayor. Ce sont les pierres du Templo Mayor que les conquistadors ont utilisées pour la construction de la cathédrale. Ainsi, les pierres sculptées en honneur des dieux aztèques ont servi de matière première pour les églises édifiées à la gloire de Dieu. D'une certaine manière, cette superposition architecturale symbolise la prétention d'imposer une civilisation à une autre. Deux civilisations qui, au fil du temps, vont s'entremêler et se féconder réciproquement. Véritable livre d'histoire,
histoire vivant, le Zocalo est une scène où se manifeste la complexité de l'identité mexicaine. Tenochtitlan, la cité de nos ancêtres qui est représentée ici, ce n'est pas ce que les livres racontent. Les gens appellent ce site archéologique que nous sommes Templo Mayor. Ce n'est pas un temple. S'il y a quelque chose que l'on peut appeler un temple, c'est bien cette cathédrale là-bas. En latin, on dit templus, ce qui vient de tem, temps, et de plus, à travers, c'est-à-dire à travers le temps. Cet endroit était sacré, on y vénérait, et non pas adorait, les symboles de la nature que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Dieu. Voilà ta culture. Et si cette culture n'en vaut pas la peine, alors pourquoi la photographier ou la filmer? Les gens achètent des cartes postales et ils en bavent d'admiration. Pourquoi? Parce que notre culture est millénaire. Avec le temps, les civilisations des anciens Mexicains ont été ressenties comme moribondes et jugées un obstacle sur le chemin du progrès. Cependant, une certaine résistance culturelle a permis aux valeurs ancestrales, aux langues et aux rites religieux de continuer d'exister. Aujourd'hui, à travers leur danse, les Concheros ressuscitent leurs dieux de pierre et communient avec eux. Ils renouent ainsi avec les symboles de la cosmovision héritée de leurs ancêtres. À partir de 1521, se viene construyendo. À partir de 1521, commence à se modeler une nouvelle personnalité culturelle qui ne rejette ni l'héritage des anciens Mexicains, ni le nouvel apport occidental, mais qui, au contraire, s'enrichit de ces deux civilisations. C'est là que réside la curiosité qui éveille souvent la personnalité de la culture mexicaine. Quand les évangélisateurs arrivent, le sacrifice humain ne leur semble pas répugnant. Ils s'émerveillent plutôt de diverses coïncidences. La messe est aussi un sacrifice où le corps et le sang du Christ sont présents. D'autre part, le Christ est un soleil qui représente un dieu d'une autre culture, le créateur de l'homme et celui qui transforme tout ce qui vit. Et comme les Aztèques avaient eux aussi une divinité suprême, Huitzilopochtli, il existait entre les deux cultures une certaine analogie. Bien entendu, malgré toutes ces ressemblances, nous pouvons aussi admettre que les évangélisateurs aient tout fait pour effacer leur pratique religieuse. En effet, l'Église de l'époque et l'Inquisition, déjà installées dans le Nouveau Monde, savent que pour imposer le christianisme aux anciens Mexicains, elles doivent extirper toute trace de leur idolâtrie. Le clergé mexicain poursuit la tâche des évangélisateurs espagnols. La majorité de la population, elle, se déclare catholique pratiquante et fait preuve d'une grande ferveur religieuse. En 1536 sont arrivés les missionnaires et ils nous ont enseigné cette même doctrine qu'aujourd'hui nous enseignons. Cette foi qu'ils ont léguée au peuple, c'est aujourd'hui notre foi. Ce Dieu qu'ils nous ont révélé, c'est le même en qui nous croyons aujourd'hui. Et le culte à la Très Sainte Vierge qu'ils nous ont laissé, c'est celui que nous pratiquons. Es lo que tenemos nosotros.
Combien de leurs ancêtres, pour sauver leurs croyances, n'ont-ils pas dû se glisser dans le moule du rituel catholique et accepter ses saints? Ils ont ainsi développé certaines formes de syncrétisme religieux. Dès le début, les missionnaires ont poursuivi l'idolâtrie et ils nous ont montré le chemin d'un Dieu unique et de la religion catholique. Notre piété actuelle, chrétienne, nous l'exprimons dans l'amour que nous portons à nos saints. Je ne nie pas qu'il y ait eu des cas d'agression contre la foi du peuple, ici, au Mexique. Mais en général, ces agressions ont été minimes. L'assimilation d'une nouvelle religion demande du temps. Et il faut connaître la culture pour élaborer une catéchèse. Les premiers évangélisateurs étaient de grands hommes qui ont su trouver des méthodes pratiques. Par exemple, ils ont traduit le catéchisme, ils l'ont mis en images, et c'est comme ça que les indigènes ont pu l'apprendre. Ce catéchisme cherchait aussi à inculquer la terreur de l'enfer. Cette guerre sainte des images a tout fait pour imposer le registre de l'imaginaire chrétien en essayant de supplanter l'imaginaire des anciens Mexicains. Alors les Espagnols ont apporté leur doctrine chrétienne, leurs légendes et leurs mythes et les ont confrontés à notre vision du monde qu'ils ne comprenaient pas. Les autres nous ont dit, taisez-vous, ne dites rien, croyez en ce qu'ils vous disent, faites-le pour avoir la vie sauve. Il y avait surtout ce mythe de la mort qui disait que si le prêtre te donnait sa bénédiction et son pardon, alors tu irais au ciel. Mais notre peuple savait, lui, qu'il était éternel et qu'il ne mourrait pas. Pourquoi est-ce que nous ne mourrons pas? Parce que nous appartenons à l'espace et aussi à la terre. La vie est un cycle qui n'a pas de fin. Mourir est considéré comme le passage dans l'autre monde, comme le soleil disparaît sous terre pour renaître le lendemain. Cette notion de la vie et de la mort est profondément enracinée dans la manière d'être des Mexicains. En fêtant la mort, c'est la vie qu'il célèbre en lui donnant le visage de la mort. Même en ville, comme dans tout le pays, à quelques jours de la Toussaint, les préparatifs pour la fête des morts ont déjà commencé. Pour fêter le jour des morts, nous donnons vie à une tête de mort en sucre que nous offrons aux défunts avec tout ce qu'il aimait dans la vie. Nous lui exprimons ainsi notre affection. Il ne s'agit plus de pleurer, mais plutôt de lui dire « Nous sommes là, à t'attendre. Bientôt tu seras présent parmi nous et nous nous souviendrons de toi. » Je crois qu'à l'époque préhispanique, nos ancêtres célébraient les morts en leur offrant des bijoux.
Nous, aujourd'hui, nous le faisons avec des sucreries, avec de la nourriture. C'est aussi une manière de rendre la mort plus douce. Exactement. Ça se mange? Tout se mange. On fabrique les têtes de mort avec du sucre et de l'eau. Pour les décorer, c'est du sucre glace, du citron et du blanc d'œuf. Cette manière de rendre hommage à nos morts nous vient du village de Juantepec, Michoacán. C'est là qu'est née l'idée de fabriquer une tête de mort en sucre. Au cours des ans, notre famille, c'est-à-dire nos grands-parents, nos parents, ont adapté différentes formes et couleurs et une manière originale de décorer les têtes de mort. On en fait de toutes les tailles. En réalité, chacun d'entre nous exerce une profession. Et ce n'est que 2 mois par an que nous nous consacrons à la fabrication des têtes de mort. Lui, il est diplômé en administration publique, il travaille à Mexico. Mon frère est avocat, il est à son compte. Et moi, je suis architecte, je suis aussi à mon compte. Nous sommes 10 frères à nous réunir 2 mois par an pour que cette tradition ne meure pas. Le nom Jiménez pour la fabrication des têtes de mort en sucre est célèbre. Ça fait partie de l'histoire de notre famille et nous faisons notre possible pour que cette réputation et ce nom ne disparaissent pas. Estaba la media muerte sentada en un muladar comiendo tortilla dura para poder engordar. ¿Quién del mundo? Qui en ce monde n'a jamais perdu un être cher? Alors on se souvient de lui. Regardez, toutes les têtes de mort ont un nom. Et en passant, par hasard, vous voyez le nom de quelqu'un que vous aimiez bien, alors vous l'emportez pour lui faire une offrande. Nous, les Mexicains, nous nous moquons de la mort. Vous vous souvenez du tremblement de terre qui a fait des milliers de morts? Nous, on s'en souvient, bien sûr, mais c'est du passé. On ne s'est pas découragé, on ne s'est pas dégonflé, bien au contraire. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Quand je mourrai, ce sera content et heureux, parce que j'ai déjà beaucoup vécu. Estaba la muerte seca, sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura y frijolitos sin sal. Hay personas que son cortas de espíritu. Il y a des gens qui sont un peu simples d'esprit. Ils ont peur de la mort. Pourtant, c'est connu. La mort, c'est une chose. Et les têtes de mort, c'est autre chose. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. C'est ça, la mort. Le corps, lui, il reste ici avec tous les os. C'est pour ça qu'on fait des têtes de mort. Il y a des gens qui confondent les têtes de mort et la mort. Regardez-le. Couchez. Tais-toi. Ce travail, c'est l'héritage de mon père. Il travaillait dans le papier mâché. C'est lui qui m'a tout appris. On peut faire beaucoup de choses avec le papier mâché. Quand ils étaient petits, mes fils ont appris à leur tour. Avec les années, ils ont beaucoup amélioré la technique. Aujourd'hui, ils sont grands. Ils sont allés à l'école, mais ils préfèrent travailler dans l'artisanat. C'est ici, dans l'atelier familial, que j'ai appris en jouant avec les techniques.
Et tous les jours, je me rends compte que c'est aussi une question de patience. Si tu aimes ça, tu apprends peu à peu, tu t'en imprègnes complètement jusqu'à ce que finalement, ça fasse partie de toi-même. Oui, c'est pour cela que je me sens fier, parce que j'aurais déjà laissé mon héritage. Pas seulement à eux d'ailleurs, à beaucoup d'autres personnes aussi. Et ma fierté, c'est justement qu'ils fassent mieux que moi. La Catrina a été créée par José Guadalupe Posada, célèbre graveur mexicain. Mais lui n'a fait que son squelette, sans vêtements. C'est Diego Rivera qui, plus tard, lui a donné vie, dans une peinture murale en l'habillant et en la colorant. Et nous, nous nous inspirons de ces deux artistes. Nous tentons de lui donner du volume, je dirais physiquement. Les paroles des chansons, les alebrijes, ces gros lézards colorés, les têtes de mort en sucre, la Catrina, expriment la nécessité qu'ont les Mexicains de mettre la mort en scène. En parlant de la mort, on brise la règle du silence habituelle dans le monde occidental et qui prive l'être humain de toute intimité avec la mort, comme si elle ne le concernait pas. Les Mexicains, eux, préfèrent regarder la mort dans les yeux, avec ironie et parfois même avec un certain défi. Quand on arrive au cimetière, il n'y a pas d'orgueil ni de grandeur qui tienne. La mort, c'est aussi naturel que mourir. Si tu viens au monde, alors bientôt tu devras mourir. Il vaut mieux que tu enregistres ça, que tu te fasses à l'idée que tu n'es pas éternel. La mort, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi est-ce que tant de gens en ont peur? Moi, à vrai dire, je la crains un peu, ça oui. Je peux mourir à tout moment. Allez, viens, mort. Mais si elle se montre, ben, on verra. Il paraît qu'elle se présente sous différentes formes. Moi, elle me terrorise. Mais en même temps, je l'aime, je l'apprécie. Je sens que pour moi, la mort est comme une amie. J'ai même une image de la Sainte Mort. Parfois, je lui allume une bougie. Et j'aime bien réciter la prière de la Sainte Mort. Eh bien, moi aussi, j'ai vu que... Mais je me disais que j'ai peur ou non, quand ce sera mon heure, c'est naturel. À quoi ressemble la mort? Ici, elle est représentée par une tête de mort, par un squelette. Dieu, notre Seigneur, Jésus, on le représente comme un homme bon, normal et naturel. Le diable, lui, on le représente comme un alebrije, un de ces vilains lézards que nous venons de voir. Mais en vérité, qui a vu la mort? Je crois personne. Mais on la sent, elle est là, présente. Évidemment qu'on la sent. Mais je dis, moi, pourquoi faut-il que nous représentions les choses, comme par exemple la mort? Moi, j'ai eu une drôle de bataille avec elle. J'ai réussi à la vaincre. Je me rappelle que je la repoussais, mais elle revenait à la charge, elle me ressautait dessus. Je la jetais à terre et elle rebondissait sur moi. Soudain, je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois que je l'ai attrapée et que je l'ai terrassée. J'ai gagné la bataille et elle est restée là, par terre. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai repris connaissance, j'étais en salle d'opération. J'ai demandé à la doctoresse où est-ce que je suis. Et elle m'a répondu, tu es en récupération. Pour le Mexique, le jour des morts est une fête de famille. C'est une fête triste et c'est à la fois une fête joyeuse. Oui, joyeuse et triste. De la tristesse, c'est ce que l'on ressent parce que nos êtres chers sont là, avec nous. Ou du moins, on l'imagine. Oui.
tua, Rosita eut beaucoup de veines. Des 3 balles qui la criblèrent, une seule était mortelle, dit la chanson. Depuis toujours, pour tenter d'échapper à la vulnérabilité de la vie, les Mexicains se réfugient dans l'humour. Et pour affronter les maux quotidiens, ils s'en remettent à Dieu, où on recourt aux prières, aux plantes, aux incantations, et même à la magie blanche des guérisseuses qui se tiennent généralement sur les marchés. On nous a enseigné qu'il y avait l'enfer pour les méchants et le ciel pour les bons. Moi, je crois que le seul enfer, c'est la vie ici-bas. La mort, elle nous attend peut-être ici ou là-bas, elle peut nous tomber dessus n'importe quand. L'ennui, c'est qu'on ne la voit pas. Non, esta es de camote y esta es goma, dale la prueba. Se tiene un sabor distinto a esa y es. Y el chocolate se tiene todo el sabor, eso es de mí. À l'occasion des préparatifs des festivités des jours des morts, une activité intense s'empare des marchés, où les familles vont choisir avec affection, sans regarder à la dépense, ce dont elles auront besoin pour les offrandes. On accueille les âmes des défunts à la maison, avec les aliments qu'ils aimaient de leur vivant. On leur prépare des offrandes sur des autels dressés à leur intention. On les attend pour partager les jouissances de la vie. Je m'en irai tout comme se flétrissent les fleurs. Un jour, personne ne connaîtra mon nom. On m'aura oublié sur la terre. Que demeurent au moins les fleurs et les champs? Partout, des champs de cempasúchiles, ces fleurs des anciens Mexicains qui tiennent lieu de chrysanthèmes. Demain, ces cempasúchiles animeront les autels et les tombes. Leurs pétales dorés dessineront les chemins qui guideront les âmes dans la nuit, de cimetière aux maisons. Eux, ils n'ont pas peur de la mort. Je crois qu'ils savent exactement pourquoi ils sont nés. Ils sont là pour se battre, pour défendre leur vie, pour tuer ou alors mourir. Ils sont du genre qui ne prend pas la fuite. Ils préfèrent mourir, c'est leur vie, ça. C'est un peu cruel, mais c'est le jeu. C'est pour cela qu'ils sont sur Terre. La guayabe, c'est ce qui donne le meilleur goût à la confiture de citrouille. C'est pour l'offrande des jours des morts que nous célébrons le 1er et le 2 novembre. Le 1er, c'est le jour des enfants, et le 2, celui des grandes personnes. Oui, c'est comme ça. C'est la tradition? Les jours des morts sont les plus importants de l'année et on doit faire tout ça. On les accueille à 8 heures du soir. Ce sont les coutumes que nous ont inculquées nos ancêtres. On parle avec eux. Voici la nourriture que tu aimes. Là, c'est la sauce de mollet que tu aimais tant. Goûte-la. Tu l'aimes? On prend un verre.
Il faut qu'on en fête, toi qui viens nous rendre visite. La tradition veut que l'on aille à leur rencontre avec des fleurs jaunes pour les grandes personnes et des fleurs blanches pour les enfants. À la maison, maman leur laissait toujours un verre d'eau. Parce que quand ils arrivent, ils ont terriblement soif. On ne le croirait pas, mais la mort, elle aime tout. La mort est sucrée. Mais si, et elle mange de tout. Il faut lui donner quelques douceurs pour qu'elle ne soit pas aussi triste. Même si l'un des nôtres s'en est allé dans l'au-delà. S'il veut nous rendre visite, ce sera avec plaisir. Cette journée qu'il viendra passer avec nous, il faut qu'il soit content. Qu'il voit qu'on le reçoit bien. Qu'on se souvient de lui et de ceux qui sont morts. La citrouille est à point. Peut-être que je devrais ajouter un peu de mélasse. Rica. Elle est bonne. Je vais quand même y mettre un peu plus de mélasse et de cannelle. Avec ce feu, ça ira. Valises d'imagination avec leurs délicieux pains des morts décorés de tibia qui seront mangés en ces jours de fête comme en une communion annuelle. Ces rythmes font aussi partie de l'héritage espagnol des Mexicains. Certains traits de leur caractère, d'ailleurs, comme la fierté, le mépris du danger et une vision tragique du monde, emportent aussi la trace. Ainsi, dans la corrida, le sacrifice du taureau apparaît comme une conjuration de la mort, et à ce titre, fascine les Mexicains. Les jours des morts coïncident avec les récoltes, période d'abondance pour laquelle on remercie Dieu. Là aussi, le rituel religieux est marqué par un étrange sens profane de la fête. Tous les dimanches, lors de la mise à mort du taureau, on exorcise la mort. Par ces funérailles symboliques, qui ont lieu la veille de la Toussaint, on exorcise les âmes en peine de tous ceux qui sont morts de mort violente. La historia de la Iglesia en México. L'histoire de l'Église au Mexique est une histoire de contradictions. C'est aussi l'histoire d'une Église qui a forgé la pensée métisse d'une nation. L'Église est totalement étrangère aux manifestations rituelles et culturelles d'une mémoire religieuse qui remonte aux époques éloignées des anciens Mexicains et qui est toujours vivante aujourd'hui. À l'époque coloniale, cette mémoire a commencé à se modifier et à s'enrichir des apports du catholicisme. C'est pour cela que les jours des morts sont l'expression d'une religiosité qui a davantage de vitalité que toute action d'une Église institutionnalisée.
Dans ce contexte, le rite et les cérémonies constituent l'âme même de cette religiosité. La signification de l'offrande, c'est l'engagement de partager. Nous croyons vraiment que le mort vient nous rendre visite et qu'il lèche nos sucreries, qu'il boit les verres de tequila que nous lui préparons, qu'il fume les cigarettes et qu'il se sent vraiment chez lui. On se souvient de lui, et en se souvenant, on le rend présent. On ne doit pas toucher au banquet funèbre immédiatement après l'avoir préparé. Il faut laisser passer une nuit pour que les morts puissent y goûter et pour que le banquet lui-même s'imprègne de cette rencontre des deux mondes, non pas du monde occidental et du monde préhispanique, mais du monde d'en bas et du monde d'en haut. Premières heures du matin, dans tous les cimetières, une grande effervescence s'installe. La solitude s'éloigne, les murmures se mêlent au parfum des fleurs, et une sorte de magie semble abolir le temps. Nous ne sommes là que pour dormir, nous ne sommes là que pour rêver. Nous sommes comme l'herbe. Chaque printemps, quand il arrive, elle pousse et notre cœur fleurit. Ce premier jour des morts est pour accueillir les morts enfants, les petits anges comme on les appelle. Demain, les souvenirs et les émotions rappelleront les âmes des grandes personnes dans les familles. Père, guide-nous. Ne nous abandonne pas comme si nous n'étions que des chiens ou des chats, nous, tes filles. Si tu le peux, fais-nous voir ta présence, Père. En ce moment où tu nous rends visite, aide tes filles à se réunir comme avant. Maintenant, nous sommes comme des abeilles, affaiblies. Mère, ne nous abandonne pas. Protège-nous. Cuida-nos. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, vayamos en paz a dar testimonio de nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. La misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Voy a presentar a mi familia primero. Je vais vous présenter ma famille. Lui, c'est mon frère aîné. Nous sommes sept. Voici sa femme, ses fils, ses deux filles. Un cousin germain. Nous sommes de la famille Mendoza. Nous représentons toute la famille Mendoza. Voici mon fils Martin. Ça va? Il me demandait ce que nous faisions ici et ce que nous venions chercher. Nous sommes là parce que c'est la coutume, la tradition que nous ont légué nos grands-parents et nos oncles. Alors, en ces dates qui sont pour nous une fête pleine de joie et de tristesse, oui, de tristesse aussi, nous venons leur rendre visite.
leur porter une offrande, un bouquet de fleurs, un cierge. C'est avec plaisir que nous faisons tout cela. Une fois par an, nous pensons à eux et nous le sentons quand nos êtres chers nous rendent visite. Bien sûr, cela nous représente des dépenses, mais nous le faisons avec plaisir. Le rituel catholique de ces journées est profondément respecté. Mais le sens donné à la mort évoque le culte de la mort des anciens Mexicains, où un mois entier était consacré aux morts enfants et le mois suivant aux grandes personnes. Avec le temps, ces deux rituels se sont fécondés réciproquement pour donner naissance à la célébration d'une mort métis qui aujourd'hui doit faire face au défi du modernisme. Le modernisme arrive peu à peu, et peu à peu il s'attaque à nos traditions. Il ne faut pas que le Mexique perde ses traditions ni ses fêtes. Sinon, ce ne serait plus le Mexique, ce serait n'importe quel pays. La tradition anglo-saxonne de Halloween s'affiche déjà dans certains quartiers de Mexico. Et on peut se demander si elle a sa place durant la fête des morts, célébrée autant à la campagne qu'à la ville. La télévision, qui emprunte son inspiration et son sens du spectacle à la télévision américaine, fait la promotion de Halloween avec des concours et des prix fabuleux. Au risque de vider la fête des morts de sa véritable signification. En esta etapa, lo que se va a premiar es la originalidad, el trabajo y en lo que se inspiraron para hacer estas calabazas. Miren nada más esta que tenemos aquí, Marcos, que está sensacional. Sí, a ver. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Yanín, lindísima! Pues muy bonita sorpresa, le deseamos la mejor de las suertes. A todo dar, dice, mira. A todo dar, dice, bueno, ver, muchas gracias, suerte. Claro que sí. Una, ¿eh? ¿Y ya sabes lo que ganaste? No. Dans un salon de thé, une tête de mort en sucre surprend les passants. Elle fait un clin d'œil au gérant du salon funéraire d'à côté, comme si la mort métisse, même avec des yeux dorés, pouvait cohabiter avec la mort aseptisée, aux chagrins dissimulés et aux émotions refoulées. Vous êtes au salon funéraire García López de Mexico. Le but de ce salon est de rompre avec toutes les normes habituelles en offrant de la lumière et une image différente. Nous allons vous faire visiter. Ce salon a été créé pour rompre avec la tradition, pour que les gens soient plus contents, davantage en paix. Cette toile originale date des années 1600. Pour la mettre en valeur, son cadre a été fait avec les poutres de l'ancienne demeure. Il y a des gens qui disent « je ne pense pas mourir tout de suite ». Il ne s'agit pas de le penser ou non. En vérité, ce salon offre beaucoup de garanties parce que le type de service que l'on donne ici est vraiment un concept tout nouveau pour un salon funéraire. Nous nous chargeons du cadavre, que ce soit de l'hôpital ou du domicile au salon.
Nous préparons aussi le corps. Et nous le transportons au cimetière, qu'il y ait inhumation ou incinération. Quand quelqu'un désire contracter nos services, ce n'est pas nécessaire qu'il apporte de l'argent. Nous acceptons les cartes de crédit. Ici, nous avons ce qu'il faut pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Du cercueil le plus modeste au plus cher. Le service le plus cher coûte 25 millions de pesos, environ 8 000 $, et le meilleur marché, 2 millions de pesos ou 700 $. Cela dépend des possibilités des gens. Chez nous, on dit qu'on n'a pas peur de la mort, mais finalement, elle nous touche autant que n'importe qui. Au Mexique, on vieillit en famille, loin de l'hospice et de l'hôpital. On attend la mort chez soi, paisiblement. Dans le rituel traditionnel, loin des salons funéraires, le défunt est veillé chez lui, au milieu des siens. La mort est regardée en face, les émotions s'expriment et se partagent. Aujourd'hui, au Zócalo, la fête des morts rencontre la cérémonie rituelle du drapeau qui a lieu comme tous les jours. Mexico semble moins agité que d'habitude. Une certaine nostalgie flotte dans l'air. Beaucoup de gens sont retournés dans leur village natal pour rendre hommage à leurs morts et partager avec eux les souvenirs. Ce retour aux sources leur permet aussi de se retrouver. En ce jour de fête, le 2 novembre, nous fêtons nos défunts. Nous leur préparons la nourriture qu'ils aiment. Nous allumons une bougie pour que sa lumière puisse les guider en chemin. Nous leur servons de l'eau parce qu'ils ont toujours très soif quand ils arrivent. Tout ça, c'est en leur honneur. On sait que c'est le 2 qu'ils viennent nous rendre visite et c'est pour ça que nous tenons la table prête pour eux. Le Mexique se modernise d'une manière accélérée. Les coutumes des autres pays nous envahissent, surtout le fameux Halloween. Beaucoup de familles comme nous ne veulent pas que tout cela disparaisse. Elles veulent que tout cela continue à vivre. Nous essayons de transmettre ces coutumes à nos enfants pour que eux, à leur tour, les transmettent à nos petits-enfants. Et le petit, mon neveu, se demande à quoi servent ces traditions. Alors il te l'a demandé. Bien sûr. Depuis qu'il est capable de comprendre un petit peu, il a commencé à nous demander pourquoi on faisait tout ça. On le lui a un peu expliqué. Et plus tard, quand il va grandir, on va lui apprendre à préparer des offrandes et on lui fera comprendre la signification de tout ce que l'on met sur les autels. Un jour, ce sera mon tour de mourir. Je suis sûr que mon neveu ou mon fils se souviendra de moi une ou deux fois par an. Il me rendra hommage, tout simplement. De tout ce qu'il y a sur l'autel, qu'est-ce que tu préfères ? Par exemple... Eh bien, le cercueil, le grand, le bleu. Parce qu'il a des décorations. Et surtout cette tête de mort en chocolat.
Estaba la media muerte, sentada en un tecomate, diciéndole a los muchachos, vengan, beban chocolate. Estaba la muerte seca, sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura y frijolitos sin sal. Plus tendre enfance, les enfants ont pour jouet des squelettes et des têtes de mort. Ils apprennent à rendre hommage à la mort. Mais accrochés aujourd'hui à la télévision, pourront-ils concilier leurs traditions et les valeurs véhiculées par les images? En cette nuit du 2 novembre, la nostalgie cède peu à peu la place à l'allégresse. Les familles vont bientôt raccompagner au cimetière les âmes des défunts, maintenant imprégnées de l'essence des aliments préparés à leur intention. Vers la tombe, nous marchons, sans plus attendre, nous y allons, bien enfermés dans un cercueil. Ils sont quatre à nous porter à l'œil. En pleurs, des femmes portent notre deuil. En ce jour ultime, voilà où nous sommes. Mais si elle s'envoie un coup de rhum, à plus forte raison, elle pleure, même sans y mettre tout leur cœur. La famille entière, des grands-parents aux petits-enfants, se retrouve au cimetière. Les murmures de la vie, le parfum de l'encens et des fleurs aident les âmes à regagner leur lieu de repos. C'est le dernier hommage pour les remercier de leur présence invisible. Dans un an, à la même date, ceux qui restent sur cette rive seront là à les attendre, en invoquant leurs souvenirs. Au Mexique, en fêtant la mort, c'est la vie que l'on célèbre, en lui donnant le visage de la mort. Sentada en un muladar, comiendo tortilla dura para poder engordar. Estaba la media muerte, sentada en un taburete. Los muchachos de traviesos le tumbaron el bonete. Estaba la media muerte, sentada en un tecomate, diciéndole a los muchachos, vengan, beban chocolate. Estaba la muerte seca, sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura y frijolitos.